Ici, donc, je reprends et je résume. 比如反复里面的第一句话就是这里我反复我简述。好了，下面有请奥托。那么下面我们欢迎奥托卡。Merci, bonsoir. 谢谢，晚上好。j'aurais pu dire en fait, sí. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit dans la présentation d'ailleurs. C'était important pour moi ou pas? Non. Je ne sais pas si ce que j'ai à dire va vous apprendre grand-chose après ce film que je n'ai pas vu, mais apparemment, ça dit déjà beaucoup de choses. Alain Robbe-Grillet parlait très bien de son œuvre, de son travail. Il faisait partie de ce qu'il appelait les artistes conscients. Il y a une sorte de tradition romantique qui veut que l'artiste ne sait pas trop ce qu'il fait. C'est une sorte de monstre inconscient. Et Robbe-Grillet faisait partie d'une autre catégorie, moins reconnue, plus dérangeante, des artistes conscients de leur œuvre, même de leur génie. Donc il en parle toujours très bien, c'est toujours difficile. Là, c'est très difficile de parler après lui, hein, ça sera forcément moins bien. Donc, je vais répondre à la question qui est affichée peut-être quelque part, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'Alain Robbe-Grillet attend de son lecteur? Je vais répondre à la question. On associe immédiatement en France et dans le monde le nom d'Alain Robbe-Grillet à ce qu'on a appelé le nouveau roman. C'est un mouvement littéraire dont il a été le principal artisan avec son éditeur, Jérôme Lindon, des éditions Minuit. Le nouveau roman, c'est un mouvement littéraire, une sorte de famille. Qui comprend, au sens de contenir, des gens comme Claude Simon, je ne sais pas si vous connaissez, Claude Simon qui est prix Nobel en 1985, Marguerite Duras, je pense qu'il est plus connu ici, je crois, Michel Butor, Robert Pinget, Nathalie Sarraute, et même, on peut dire, des nouveaux romans avant l'heure, mais Samuel Beckett dans la même maison d'édition qui s'appelle les éditions de Minuit. En fait, ce n'est pas vraiment une école littéraire, simplement, Alain Robbe-Grillet s'est arrangé pour regrouper, Alain Robbe-Grillet et son éditeur, Jérôme Lindon, se sont arrangés pour regrouper les auteurs qui subissaient les mêmes critiques de la part de la critique officielle, majoritaire, dominante, c'est-à-dire qu'ils ne racontaient pas des histoires comme on les raconte d'habitude. Et donc, il a eu cette initiative de les regrouper plutôt pour se donner le droit, ensemble, d'écrire autrement, d'écrire d'une autre façon, en France, et de continuer d'inventer en fait le roman plutôt que de le reproduire. Parce qu'il a constaté, qu'il a senti en lui que le monde avait changé et que sa sensibilité aussi avait changé, comme il dit souvent, et donc normalement la littérature devait suivre. Elle avait suivi déjà, des auteurs ont précédé cette modernité, Faulkner ou Kafka, qui sont deux grandes références pour Alain Robbe-Grillet. Par exemple, avait précédé ce mouvement-là, et en France, il y a eu vraiment un blocage. La critique n'a pas accepté cette écriture nouvelle, et donc Robbe-Grillet a rassemblé ces auteurs-là autour de lui pour se donner le droit, encore une fois, d'écrire comme le monde qui avait changé l'inspirait. Kafka, vraiment une référence très importante pour Robbe-Grillet, et Faulkner, qui, comme vous savez peut-être, a écrit Le bruit et la fureur, et qui, ce titre est emprunté à une citation de Shakespeare, qui dit « Le monde est une fable, racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. »
Et cette littérature dont se réclame Alain Rogrillet et la sienne, en fait, semble prendre en compte cette folie du monde, en fait. L'expérience qu'on fait de la folie de cette folie du monde. En général, ce sont les références pour Alain Rogrillet et pour la littérature moderne en général. Une littérature qui prend en compte cette folie du monde jusque dans sa forme. Pas seulement en racontant la folie du monde, l'expérience folle qu'on se fait du monde, quand on a cette honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'effectivement le monde est une fable racontée par un idiot, pleine de bruit de fureur qui ne signifie rien. Quand on a cette honnêteté intellectuelle de le reconnaître, il faut peut-être encore aller plus loin, à savoir faire passer cette folie qui est notre expérience réelle, jusque dans la forme même des récits, la forme même des romans, de l'écriture, de son mouvement, de sa construction, etc. C'est ce qu'on retrouve dans cette littérature de Faulkner, Kafka, Rogrillet et les autres. C'est une littérature qui, jusque dans sa forme, prend en charge cette folie du monde, c'est-à-dire cette expérience folle qu'on fait du monde, c'est-à-dire le monde comme fable racontée par un idiot, pleine de bruit de fureur qui ne signifie rien. 那这种文就是他提到这个文学，并不是说没有出处的，就是说他认为这种文学是这个现代我身上能够找到的。Donc en général, ces romans ont une forme plus déliée, plus irrationnelle, plus singulière, plus complexe, plus joueuse. Et au fond plus aventureuse. Comme notre existence. C'est-à-dire qu'elle reprend un peu cette logique de notre existence, puisque notre existence est fondamentalement, quand on y réfléchit bien, fondamentalement aventureuse. On est constamment projeté sur le monde, sur un monde qu'on ne comprend pas fondamentalement. On ne sait absolument pas ce qui arrivera dans la seconde suivante et comment. Et ces récits, ces romans, prennent en charge cette logique-là qu'on expérimente dans notre existence. En général, la littérature dite traditionnelle contre laquelle Alain Rogrillet s'est battu toute sa vie, dans cette littérature-là, ou dans ces romans-là, on nous raconte des aventures, mais dans une forme tout à fait reposante, rationnelle, confortable, censé, selon ou en respectant une cohérence chronologique, causale, gratifiant, c'est un peu compliqué ça peut-être, en y ajoutant des significations empruntées à des systèmes d'interprétation en place qu'on connaît déjà, c'est-à-dire psychologique, métaphysique, etc. Donc, en réalité, c'est ce que Alain Rogrillet appelait un code. En fait, cette représentation familière du monde, c'est un code qu'on retrouve, qu'on comprend très facilement, très simplement, très spontanément. C'est comme ça dans la littérature en général qu'il faut représenter les choses, qu'il faut représenter les choses. C'est presque un passage obligé pour que le livre soit immédiatement apprécié du public, digéré, compris. En fait, c'est une représentation conventionnelle d'un réel lui-même conventionnel, fabriqué à travers nos catégories rationnelles, humaines, trop humaines, comme dirait Nietzsche. Réductrice, simplificatrice. En fait, ce réalisme-là est quand même très éloigné, finalement, du réel lui-même. Quelle est notre expérience du réel ? Quand on regarde bien, quand on l'étudie bien. Notre expérience quotidienne est faite de trous, de manques, de mystères, de répétition, de variation, de contradiction, de lutte interne, externe aussi, de lutte jamais réconciliée, d'incompréhension partielle et fondamentale, de choses en moins, de choses en trop, de gratuité, c'est-à-dire des choses qui prolifèrent comme ça, sans sens et sans fonction, d'errance, d'aventure. C'est ce qui donne le caractère vivant à notre existence. C'est ces manques, ces trous,
je répète, donc ces mystères, ces répétitions, ces variations finalement dans la vie quotidienne. Mais je vais détailler après. Pour les manques, ce sont les manques dans le contenu, par exemple, dans les perceptions. Par exemple, là, dans la pièce, je perçois seulement des parties de vous. Je ne sais pas ce que vous avez fait avant. Je ne sais pas ce que vous ferez après. C'est autour de ça que je construis que j'existe, que je construis mon expérience. Structurellement, je suis fait autour de ces trous, de ces manques, de ces mystères. Notre expérience est faite aussi de répétitions. Je suis déjà venu dans cette pièce, par exemple, mais c'était différent à un autre moment, et donc de variations. Quand je bouge dans la pièce, le même espace varie, le même espace évolue, se transforme. De contradictions, du coup, entre mes perceptions, mes propres désirs, le discours des autres par rapport aux miens, les perspectives qu'ont les autres, les vérités des autres contre les miennes. Donc toujours, notre expérience est toujours plongée dans une lutte qui n'est jamais réconciliée, en fait, avec des choses en moins. Je m'arrête, voilà. Non, avec des choses en moins, des choses en trop. Vous avez des choses complètement gratuites. Vous regardez un ventilateur tourner parce que vous attendez et vous l'observez attentivement. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fonction, et c'est pourtant notre expérience quotidienne. 它是一直在这种内部外部的斗争中，就是，然后这就让它，比如说它的欲望跟它所在的现实是不对应的，这产生一种矛盾，而且，所以呢，这种经验是完全跟现实主义是不对应的。比如说，你们在看一张椅子，然后这是没有任何意义的一种行为，这是一种损失，这没有任何的功能所言。比如说，我们在 我们日常之中，有时候在等人的过程中，我们会看一个风扇，但是这完全没有任何功用可言。这是一种就是完全不产生意义的一种动作、一种行为，这才是更接近我们的那种日常体验。 Et c'est ce qui donne le caractère vivant à notre existence. En général, tout ça est réduit, amputé, simplifié dans le réalisme conventionnel. Mais notre expérience est beaucoup plus vivante que ça, puisqu'elle est contradictoire, aventureuse, contemplative, répétitive, etc. Avec des trous, des manques de signification, des manques de perception. Et on se construit structurellement, on se construit autour de ça. Notre personnalité, notre rapport au monde est construit autour de ces variations, de ces manques, de ces incompréhensions, de ces manques de signification, etc. C'est ce qui donne le caractère vivant, vraiment. Quand vous ajoutez à ça le fait que vous êtes indissociablement aussi plongé dans votre imaginaire, votre imagination, en plus de vos perceptions, c'est-à-dire que vous percevez les choses, mais vous les fantasmez en même temps. Tout ça est complètement indissociable. Vous vivez les choses, vous percevez les choses, mais vous les imaginez aussi, en même temps, et sans arrêt, avec un nuage autour, un halo de fantasmes qui ne sont pas la réalité objective. Donc en fait, on vit où ? On ne vit pas vraiment dans la réalité, on vit dans un film mental, où tout ça se mélange, s'entremêle, passé, futur, perception, imagination, etc., fantasme, tout ça s'entremêle, et c'est là-dedans que nous vivons chacun, dans un film mental, où tout est au présent finalement. Comme dans un film comme ça, mental, et c'est là-dedans qu'on vit en fait. On ne vit pas dans la réalité, puis dans sa tête. On vit constamment dans un film mental, continu, qui mélange ce qu'on désire, ce qu'on imagine, ce dont on se souvient et ce qu'on perçoit. Et cette forme-là, cette expérience-là, on la retrouve donc dans la forme des romans d'Alain Robrier. Cette poétique-là prend en charge cette expérience qu'on fait du monde. C'est ce que Alain Robrier essaie de faire passer dans la forme même de ses romans, ce côté vivant, et qui s'organise un peu de la même façon que notre expérience du réel. Ces récits donc s'organisent autour de creux, de trous, de manques, il le disait lui-même hein, très souvent, de mystères, d'énigmes, d'incertitudes, de ruptures, de descriptions contemplatives, comme quand on reste scotché, comme on dit en français, fixé sur un objet, sans que ça soit utile, donc en trop, de variations, de contradictions incompatibles. Voilà, donc on retrouve ça dans cette forme du coup un peu déroutante, mais d'autant plus vivante. On n'a pas l'habitude de ça, effectivement.
on est dans un film mental qui ressemble plutôt à un labyrinthe. C'est un thème très cher, un concept important pour Alain Robrier, le labyrinthe. Voilà. Qui correspond encore une fois à notre expérience du réel. Comme je viens de dire tout à l'heure, tout est mélangé dans notre expérience, le fantasme et les perceptions. Donc dans les formes, à la forme de ces récits, vous ne trouvez pas vraiment d'indication de distinction entre fantasme, perception. Tout ça est mélangé ou s'enchaîne dans un ordre qui n'est pas non plus chronologique, qui manque d'indication chronologique et de cohérence chronologique aussi, où c'est jamais très fiable, on n'est jamais très sûr. C'est une littérature qui nous fait perdre un peu pied et qui rend les choses d'autant plus difficiles qu'elle ne propose pas non plus de signification supérieure, d'interprétation. De commentaires explicatifs, ou compétents, assurés, omniscients. C'est plutôt en général les narrateurs qui sont incompétents, pas sûrs d'eux, etc. Et donc, ça complique encore la difficulté peut-être d'une lecture naïve et habituée au code et habituée au réalisme traditionnel. 那在阿兰的小说当中, donc, c'est un peu perturbant quand vous lisez ces livres, c'est qu'on ne sait pas s'il fantasme, s'il rêve, s'il perçoit ou tout ça en même temps. Donc ça peut aussi être déstabilisant, évidemment, mais beaucoup moins déstabilisant quand on comprend que finalement on nous ment depuis longtemps, que notre expérience du réel, c'est plutôt ça. Nous, notre expérience du réel, comme je l'ai dit, mais nous, on ajoute des interprétations, des significations. Dans ces romans, on ne trouve pas vraiment ça. On ne trouve pas de vérité dernière. Et qui serait encore une fois empruntée à nos systèmes d'analyse en général, psychologique, métaphysique, etc. Alain Robrier distinguait volontiers, et schématiquement, il le disait lui-même, deux sortes d'écrivains ou de romanciers. Ceux qui comprennent le monde et qui vous l'expliquent, donc c'est comme la vérité qui parle, par exemple son ennemi Balzac, et ceux qui ne comprennent pas le monde, et du coup nous communiquent cette incompréhension. Cette modestie qu'ils ont face au monde, qu'ils ne comprennent pas vraiment. Qui assument davantage d'être idiots face au réel, qui ne prétendent pas connaître et comprendre. Perçoivent beaucoup et comprennent peu. C'est le cas évidemment d'Alain Robrier et aussi de, par exemple, d'un livre fondateur ou fondamental pour lui, en tout cas dans sa première partie, L'étranger de Camus. Alain, il a distingué deux types. Le premier, c'est qu'il a compris ce monde et qu'il a essayé d'expliquer ce monde. Ils ont la vérité, par exemple, son ennemi. Tout à fait. Ok, tout à fait. Effectivement, dans L'étranger, il y a quelque chose de très troublant. Un effet très particulier, très fort. C'est un livre où justement le personnage principal, le narrateur, est comme un idiot, en fait, ou en tout cas dans la première partie. Je dis bien dans la première partie. La deuxième partie, qui n'est pas Robriétienne, on comprend que finalement il a tout compris, etc. Mais la première partie est très troublante, parce qu'on a affaire à une personne qui existe sans rajouter de filtre explicatif. C'est un narrateur qui ne comprend pas vraiment le monde, qui ne donne pas de signification, de compréhension. On a plutôt accès à ces sensations. On a l'impression que le monde nous est livré avec moins de filtres, et de manière plus brute, plus pure, je dirais, plus sauvage. Il est aussi très d'accord avec votre parole. Il est très d'accord avec vous. 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 On a l'impression d'être plus en prise en fait avec l'expérience qu'on fait soi-même du monde, sans passer par une subjectivité qui nous l'explique. Alors on réalisait souvent, il y a deux formules qu'il utilisait qui n'étaient pas de lui, que ces livres étaient le lieu où le monde a lieu. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve plus directement la logique même du monde, du réel ou de l'expérience qu'on en fait. Il disait aussi que ce livre parle le monde. Il parle moins du monde, c'est-à-dire du contenu du monde. Mais il parle le monde, c'est-à-dire un peu le langage du réel, de l'expérience qu'on fait du réel, le langage déstabilisant, énigmatique, incompréhensible un peu, chaotique pour nous, du monde, du réel. Alain, 关于这个是有两种说法的,
Donc c'est une forme, la forme de ses romans, de ses récits, c'est une forme complexe, déroutante, déstabilisante, mais parce que plus vivante, et qui nous transmet cette énergie, davantage cette énergie que ce monde clos, signifiant du réalisme, rassurant, reposant. Là, c'est un style, une poétique, qui nous transmet cette énergie folle, cette énergie du monde, irrationnel, encore une fois, pleine de contradictions, de manques. Et quand il manque quelque chose, ça, comme le disait Rob Grillet, ça dégage de l'énergie. Quand c'est trop plein, quand c'est trop expliqué, trop rond, trop clos, c'est un peu mort. Alors qu'avec ces trous, ces manques, ces incompréhensions, ces contradictions, on retrouve un peu cette énergie même du réel, cette énergie, encore une fois, folle. Puisque je parlais au départ de la... Là, je fais référence à la citation de Shakespeare, que Alain Robrier reprenait à son compte, hein, et Faulkner aussi, il faut croire. Par exemple, il ne cherche pas le vraisemblable, il ne cherche pas la vraisemblance, mais plutôt de transmettre cette folie, qui est notre expérience réelle, ce côté très vivant. Pour résumer, il y a une phrase d'un peintre moderne, français, qui s'appelle Bonnard, et qui dit « Il ne s'agit pas de peindre la vie, mais de rendre vivante la peinture. » Mais ça peut être vraiment déstabilisant pour des lecteurs, et c'est pour ça qu'Alain Robrier a passé toute sa vie à être théoricien de lui-même, professeur de lui-même, comme il disait, théoricien de sa propre littérature, puisque c'est tellement déstabilisant pour un public en général, cette forme, qu'il a dû toute sa vie se défendre, justifier sa manière d'écrire. Voilà, il avait beau dire que ses romans étaient la théorie appliquée, incarnée dans ses romans directement. Il disait qu'il avait décidé de faire confiance au lecteur, mais apparemment ça ne suffisait pas. Il faut expliquer, et moi encore peut-être aujourd'hui, il faut expliquer l'originalité de cette forme et ses vertus. On peut être saisi. Alain Robrier disait que quand on ouvre un livre, c'est un échange de sensualité. Ça passe ou ça passe pas. Il se trouve qu'avec moi, c'est passé. Je pense qu'on peut être tout à fait sensible à son style, à son écriture qui est très, très belle, très forte, qui est extrêmement sensuelle, et pour moi en tout cas sensuelle et rigoureuse à la fois, qui prend le temps de considérer les choses, les situations, les gestes, les objets, qui prend le temps de caresser les choses, donc à part de longues descriptions. Et c'est une littérature et une poétique volontiers descriptive, plus au début de son œuvre, mais ça continuera ensuite, qui trouve des mots justes pour des choses qu'on ne... En général, on ne fait que désigner, par exemple la table. Robrier prend le temps, de la décrire, de la caresser avec des mots, puisque la description, c'est la meilleure façon de caresser les choses quand on n'a que les mots. Comment caresser mieux les choses qu'en les décrivant, quand vous n'avez que des mots? Et donc, cette poétique a une force érotique tout à fait indéniable. Pour moi, en général, on prend les choses de manière utilitaire, on vit les choses de manière utilitaire, fonctionnelle. Une chaise, c'est fait pour s'asseoir. Mais une chaise, quand on la décrit vraiment, c'est d'abord une présence physique, presque incompréhensible, et mystérieuse, énigmatique finalement. Qui n'a pas de sens, sinon celui qu'on lui donne utilitairement. Nous, on prend ça pour un objet fonctionnel. Mais si vous regardez bien, tout devient, comme disait Robrier d'ailleurs, quand c'est décrit avec soin, tout devient fantastique. Et on est rendu à la simple présence des choses incompréhensibles, finalement, au fond. On retrouve cette force-là, la présence énigmatique du monde, dans la littérature d'Alain Robrier. Moi, c'est ce qui m'a fasciné au départ, c'est qu'il trouve les mots justes et il prend le temps de s'arrêter sur des scènes, des mouvements, des objets, jusqu'à les arrêter même, il arrête des scènes pour les décrire méticuleusement, en prenant le temps de donner le poids à tout ça, et du coup tout devient fantastique, effectivement, la table, si vous vous mettez à la décrire,
elle n'est plus seulement une table sur laquelle, utilitaire, sur laquelle on pose des choses, elle devient finalement une présence énigmatique. Quand vous dites la chaise, c'est une chaise, c'est une idée de chaise. Quand vous décrivez la chaise, ou une jeune fille, vous considérez, vous caressez l'objet et en même temps vous le recréez parce que vous choisissez des parties, vous ne prenez pas tout, vous faites un choix et vous recréez finalement un objet idéal, non plus l'idée de la chaise, mais la chaise idéale ou la jeune fille idéale, puisque Alain Robrier aimait beaucoup les jeunes filles jolies. Tout à fait. Donc il ne représente pas vraiment le monde, il le recrée. De même qu'il ne désigne pas de manière bâclée. Il disait d'ailleurs que, je vais peut-être le citer, Alain Robrier disait que chez tous les artistes, petits ou grands, ce besoin de créer un monde, c'est l'idée de rendre imaginaire le monde dit réel dans lequel ils vivent. C'est un peu compliqué. Je vais simplement dire que, comme je disais, qu'il recrée le monde en fait imaginaire, le monde, un monde idéal pour lui, il va de plus en plus laisser libre cours à ses fantasmatiques. La suite de son œuvre va être en particulier envahie un peu par sa fantasmatique érotique et un érotisme particulier puisqu'il avait un goût pour le sadisme, ce qu'on appelle le sado-érotisme, porté sur les jeunes filles. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on ait du goût pour cette fantasmatique ou ces fantasmes érotiques ou pas, selon moi, ça n'empêche pas de savourer son écriture, et ça n'empêche pas aussi de profiter des vertus de la subversion du récit qu'il propose, de la forme subversive et rafraîchissante ou déroutante qu'il propose. Profiter des vertus. 那对于欧托卡尔来说呢，阿兰的这样一种继续当中去感受他文学美。Alors avant de vous dire ce qu'attend Alain Robrier de son lecteur, je vais faire une parenthèse pour dire ce que j'attends moi en général de mes interlocuteurs. En général, je peux m'entendre avec des gens qui reconnaissent à quel point on est en réaction dans à quel point notre environnement nous détermine, à quel point on est déterminé, conditionné par notre environnement, à quel point on est en réaction constamment avec ce qui nous entoure, et que la moindre variation de l'environnement, la variation de lumière, d'espace, nous transforme. Les structures qui sont les nôtres, dans notre espace, mais aussi dans notre culture, nous structurent. Les structures nous structurent. On n'est pas grand-chose, on est une réaction. Selon moi, je pense qu'en Chine, on connaît ça parce qu'il y a le Feng Shui. Comment ? Feng Shui ? Feng Shui ? Feng Shui. Qui prend en considération le fait que les structures nous structurent, les formes nous transforment constamment, et que je ne parlerais pas de la même façon si la pièce était plus sombre, si elle n'était pas, il n'y avait pas de vitres, etc. Si j'avais plus chaud, plus froid, je ne serais pas le même. Donc je ne suis pas grand-chose, je suis une réaction. Dans le monde, on est une pâte. Une pâte ? Pâte qu'on sculpte. On a une patte dans cet environnement là autour de nous. 那就我也需要知道，就是说，我对于这个环境做出一些改变。Donc les structures aussi des romans qu'on fréquente nous transforment aussi. La manière dont il traite le monde, la manière dont il nous présente le monde, dont il nous représente le monde, ce sont des formes effectivement aussi qui nous alimentent, qui nous traversent et qui nous transforment. Donc il faut, plutôt que d'attendre toujours la même chose, il faut peut-être reconnaître les vertus. Les vertus, par exemple, des livres d'Alain Robrier. Ce sont des formes, ces livres ont une forme moins autoritaire, et politiquement c'est très intéressant. Robrier disait souvent que ses formes, son récit se détraque. Lui-même, il casse son propre mécanisme. Ah, c'était moi qui disais. Ouais. Merci. Ouais, c'est moins fort du coup, mais c'est pas grave, c'est bien. Les romans d'Alain Robrier, par exemple, ont une forme moins autoritaire que ce dont on a l'habitude. En général, dans les romans, on attend, dans les films aussi, on attend des formes plus autoritaires. D'ailleurs, en français, il y a ce jeu de mots qu'on peut faire, puisque c'est la même origine, auteur, autoritaire, autorité. Un auteur, on attend d'un auteur qui soit
qu'il ait une autorité, quoi. Et donc, si possible, autoritaire. Par exemple, par le suspense. Le suspense, ça a un pouvoir sur nous. Quand on lit quelque chose, ça nous prend par le nez, si je puis dire, et ça nous mène où il veut. C'est une forme autoritaire. Alain Roubriet déjoue sa propre autorité. Il joue à déjouer sa propre autorité. Ce qui peut effectivement être décevant pour des lecteurs qui ont l'habitude de cette autorité qu'on trouve en général dans les œuvres. Alain Roubriet s'arrange pour détraquer ces formes et donc leur faire perdre cette autorité dont on a l'habitude. Et donc, en général, ça déçoit le lecteur naïf, le lecteur qui s'attend, encore une fois, qu'on le mène comme d'habitude. C'est une forme aussi, là j'ai décrit les vertus en fait, de la forme roubriétienne, c'est une forme qui nous rappelle constamment que le monde est mouvant, que le monde est toujours en devenir. Par ses récits contradictoires, fluctuants, même ses descriptions, il décrit un objet ou un geste, et puis après il le décrit différemment, de manière contradictoire, il nous rappelle que le monde n'est que mouvant. On a tendance à le fixer, à le vouloir fixe et reposant, le monde, et il nous rappelle, cette forme-là nous rappelle que le monde est comme ça, que le monde est mouvant, toujours en devenir, et que moi-même, mon identité, moi-même, je suis mouvant, mon identité est en devenir toujours, ou comme dirait Kafka, je n'ai rien de définitif. Alain Roubriet a cette intuition fondamentale, qui est tout à fait philosophique, en fait, et je pense qu'en Chine, on l'avait compris aussi, que tout est devenir, mouvance, le réel n'est que mouvance. Et on retrouve donc ça dans la forme de ces livres, qui est perturbant, déstabilisant pour nous, mais ça ne fait que nous rappeler en fait la réalité des choses. Et cette forme-là, donc, cette forme-là, par sa mouvance même, nous rappelle sans arrêt, comme une piqûre de rappel, que le monde est comme ça, le monde est mouvant et qu'il n'est pas fixe comme on le délire, comme on l'imagine, comme on le cultive. 阿兰的这样一种文学形式呢，马上就能够让我们想到，这个世界是呢，其实更多的只是在告诉我们真实应该是怎么样子。 Donc évidemment, Alain Roubriet est opposé à l'idée de vérité. Et par exemple, dans ses romans, il introduit différents narrateurs qui racontent une même scène, mais de manière différente. Donc en fait, pour Alain Roubriet, il n'y a pas de vérité, pour reprendre une formule de Nietzsche, un philosophe allemand, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de fait, il n'y a que des perspectives. Donc d'une même scène, vous avez différentes versions, sans qu'aucune ne gagne sur l'autre. Pour nous rappeler, encore une fois, qu'il n'y a que des perspectives, que tout est mouvant, instable, qu'on ne peut se reposer sur rien. C'est effectivement pas très confortable, mais, encore une fois, ça nous rappelle la réalité des choses. Et là, oui, c'est ça. Très clairement, ces formes nous disent de nous méfier, enfin nous apprennent, nous initient à nous méfier de ce qu'on nous raconte. Ces formes se détraquent, enfin, ces récits se détraquent. On se dit finalement, on croyait comprendre quelque chose, on croyait connaître un personnage, une scène, finalement, tout ça ne marche plus, ça se détraque. Donc c'est une littérature qui nous apprend à nous méfier de ce qu'on nous raconte, simplement. À nous méfier des discours de vérité. Ce que je vous dis est la vérité. En général, c'est ce qu'on trouve dans les romans. Il n'y a qu'une seule version, c'est bien bouclé, il y a une signification globale. Alain Roubriet casse tout ça. Et je trouve ça très intéressant philosophiquement. Dans un de ses films, son premier film, en tant que réalisateur, il y a un personnage d'Alain Roubriet qui dit « Ne soyez pas si sûr de vous, n'ayez pas trop confiance en moi. » Comme c'est une forme qui ne joue pas le jeu habituel, d'elle-même nous propose de ne pas lui faire confiance. C'est une forme qui nous incite à rester toujours en alerte, en éveil. Sur elle-même et donc sur le monde. Comme on ne peut pas se fier vraiment au récit, à ce que ça nous raconte, comme ça ne cherche pas la vraisemblance à nous faire croire ce qu'il raconte, on est rendu, projeté, comme on est projeté sur le monde, on est projeté, rendu aux seules choses concrètes, c'est-à-dire l'écriture, par exemple. Et c'est très intéressant, comme leçon, comme initiation. Finalement, je ne peux pas me raccrocher à l'histoire qu'on me raconte, qu'est-ce qui me reste ? Il me reste l'écriture, sa beauté, non plus
non plus l'aventure qu'on me raconte, mais l'aventure de l'écriture elle-même, de la forme elle-même, donc, et de ce que j'ai de plus concret sous les yeux, encore une fois, le monde, l'écriture. C'est la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est-à-dire à cet éveil-là qu'on peut avoir du monde et donc de l'écriture elle-même, sans chercher à des histoires, des aventures, des lunes, comme on dit chez nous, auxquelles on essaie de nous faire croire. En général, quand on ouvre un roman ou un livre, quand on regarde un film, on attend toujours le contenu. Qu'est-ce que ça va nous raconter ? On se projette comme ça, au lieu de faire attention à ce qu'on a sous nos yeux. Et pareil dans le monde. Dans le monde, vous êtes entraîné dans votre vie de manière utilitaire. Vous allez au travail, vous utilisez une table, une chaise. Tout marche bien, tout fonctionne bien. Et nous manque ce rapport poétique au monde, ce rapport poétique aux œuvres aussi. C'est-à-dire, encore une fois, leur matérialité, quoi. Pour résumer cette idée, il y a Cézanne, un peintre moderne français, Cézanne, à la fin de sa vie, peignait toujours la même montagne qui était chez lui, donc à Aix-en-Provence. Et devant des touristes admiratifs, devant sa montagne qu'il peignait, il a répondu à ces touristes qui le félicitaient. Il leur a dit, je ne peins pas une montagne, je peins un tableau. 当我们去看一本小说，我们去看一场电影的时候，我们更多关注的是内容。我们希望就是马上知道。Je crois qu'il y a un proverbe chinois, peut-être Confucius, un proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Tu connais? Sage. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Le doigt. Mais je pense que qu'inverser le proverbe est encore plus légitime, plus juste. Quoi. Je pense au contraire que quand quelqu'un nous montre la lune, un idiot par exemple, puisque comme vous savez, le monde est une fable racontée par un idiot. Quand l'idiot montre la lune, le sage regarde le doigt. La sagesse consiste à regarder le doigt, c'est-à-dire à faire attention, à considérer la manière dont on nous traite. Qui dit quoi, comment on nous le dit, et pas seulement ce qu'on nous raconte. La lune, chez nous en France, quand on dit... la lune est associée aux histoires, un peu, les histoires qu'on nous raconte, il faut peut-être rester attentif plutôt à la manière la manière qu'on a de nous les raconter. C'est-à-dire la forme que ça prend, au traitement, plus ou moins autoritaire, par exemple, puisque, encore une fois, ces formes-là, pour moi, nous transforment. C'est fondamental pour moi d'être très attentif à la manière dont on traite le monde, dont on nous traite, nous, comment on le représente, comment on articule tout ça, puisque ça agit sur nous, ça nous structure, ça nous transforme. Donc, faire attention, encore une fois, au monde, à son énigme finalement, et aussi à l'écriture qui nous le représente. C'est-à-dire regarder encore une fois ce qui nous structure, ce qui nous transforme, faire attention au monde qui nous transforme et aussi le monde qui nous entretient dans nos ornières, dans notre puits, comme tu dirais en chinois, et considérer toutes ces formes-là et la régularité aussi des formes qui finalement nous cultivent. Alors pour répondre à la question, pour finir par répondre à la question, quels sont... c'est quoi le titre déjà ? Qu'est-ce qu'Alain Robrié attend de son nouveau lecteur, tout à fait. Alain Robrié distinguait deux plaisirs de lecture pour un lecteur. Le plaisir de retrouver ce qu'il connaît déjà, de s'y retrouver, ou le plaisir, au contraire, la surprise, de tomber sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Quelque chose de déroutant, effectivement. Des structures nouvelles, par exemple. Et vous imaginez bien que pour être lecteur d'Alain Robrié, il faut avoir du goût pour l'un des deux plaisirs. Tu peux dire lequel ? Vous imaginez que le lecteur d'Alain Robrié, le nouveau lecteur d'Alain Robrié, correspond plutôt à celui qui prend plaisir à tomber sur quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Il demande à son lecteur de ne pas rechercher, de ne pas attendre le code conventionnel, le code des romans traditionnels. Puisqu'à ce moment-là, évidemment, on trouvera ces livres difficiles, on sera déçus,
puisqu'on aura une attente particulière et convenue. Il y a un philosophe français qui dit le désordre, parce qu'on peut trouver ses livres par exemple désordonnés, le désordre c'est l'ordre qu'on ne cherche pas. Pour illustrer cette idée, vous entrez dans une pièce, vous cherchez quelque chose, vous ressortez, vous dites non, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la pièce. En fait, il y a plein de choses, mais pas ce que vous cherchez. La pièce vous propose autre chose peut-être, mais vous y êtes fermé parce que vous cherchez quelque chose de précis. Et vous considérez qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a pas ce que vous voulez. Donc en général, le lecteur qui est déçu, c'est qu'il s'attend au code qui va l'entretenir tel qu'il est déjà. Alors Aubrier propose au contraire de nous sortir. On ne sait pas par où, mais il ne sait pas par où, mais il propose quelque chose de plus frais pour nous sortir de nos ornières culturelles. Donc vous trouvez que c'est mal fait, vous trouvez que ce n'est pas fait correctement, mais il faut vous demander si parce qu'il ne propose pas autre chose en fait. Il y a souvent un effet dans l'art moderne en général d'ailleurs, un effet de déception qui est voulu. Alain Robrier disait souvent qu'il écrivait contre le public, qu'il disait aussi que c'était à l'auteur de créer son public. Et donc il y a cet effet peut-être de déception parce qu'il propose autre chose, il propose d'autres structures, d'autres formes pour nous transformer et non pas nous entretenir dans ce qu'on connaît déjà. Donc dans ce qu'on est déjà. Il propose simplement autre chose. Interrogez votre déception. Est-ce que le problème ne vient pas plutôt du lecteur qui s'attend toujours à la même chose et qui veut toujours retrouver la même recette? La littérature moderne ou l'art moderne en général joue de cet effet de déception pour dire oui mais on propose autre chose, de vous transformer plutôt que de vous entretenir dans ce que vous êtes déjà et ce que vous aimez déjà. Donc il attend de son lecteur une forme d'ouverture, une forme de lâcher prise, on peut dire, je sais pas, Wu Wei en chinois. En tout cas, une forme, une ouverture, un certain effort dans cet inconfort. Il dit qu'une œuvre peut être rebutante, c'est-à-dire peut-être un peu repoussante au départ, mais accepter l'inconfort, accepter de s'ouvrir, de prendre le temps que les formes qu'il nous propose nous transforment, et ne pas fermer le livre, parce qu'on ne retrouve pas simplement le code dont on a l'habitude. Comme il disait lui-même, une œuvre d'art digne de ce nom ne nous accueille jamais les bras grands ouverts, évidemment, puisqu'elle nous propose autre chose, de nous amener ailleurs. Donc en général, une œuvre d'art digne de ce nom est toujours un peu rebutante, toujours un peu inconfortable au départ. Et c'est comme de s'ouvrir à d'autres modes de vie. Je prends un exemple personnel, ça fait 3 semaines que je suis en Chine et que je suis forcé de m'ouvrir un peu à la culture chinoise, à la gastronomie, et je n'ai pas le choix. Ça fait 3 semaines que je suis là, je devais venir vous parler. Un livre, c'est beaucoup plus facile, on l'ouvre, c'est pas chez nous, on le referme, surtout dans notre société de consommation, où on dit, bah, j'ai trouvé un livre plus plaisant, plus agréable à côté. On ouvre le livre, ça ne nous plaît pas, ça ne fonctionne pas comme on a l'habitude, on le referme. Moi, je n'ai pas eu le choix, je suis là depuis 3 semaines en Chine, et du coup, la Chine m'a transformé. Beaucoup plus peut-être que si j'avais pu la refermer immédiatement. Je précise aussi que Alain Robrier, en France encore, c'est encore la Chine. C'est-à-dire que c'est encore, il appartient encore, une grande partie de son œuvre appartient encore à la contre-culture, à une autre culture en fait que la culture qu'on cultive. Alain Robrier est, même en France, encore, une grande partie de son œuvre est exotique.
C'est-à-dire qu'elle n'est pas digérée encore par la culture, elle n'est pas facile d'accès. Alain Robrié est considéré comme un grand écrivain en France et dans le monde aussi, aux États-Unis par exemple. C'est un grand écrivain, mais dont l'œuvre, dont une partie de l'œuvre reste encore difficile à une lecture naïve et traditionnelle, qui attend le code. Peut-être parce qu'on ne fait pas cet effort, encore une fois, de s'ouvrir à ce qu'il propose et à la métamorphose donc sur nous que ça générerait quoi. L'autre problème, c'est qu'Alain Robrié est un écrivain toujours sulfureux. Sulfureux, tu comprends, c'est-à-dire un peu scandaleux, à cause de la forme qu'il propose, mais surtout, là, en l'occurrence, du contenu, c'est-à-dire son érotisme sadique porté sur les jeunes filles. Mais il n'attend pas qu'on partage ses goûts érotiques, mais au moins qu'on reconnaisse dans sa propre expérience, son propre imaginaire, qu'on reconnaisse que, comme il le disait lui-même, on a tous des monstres en nous, des pulsions, des désirs qui ne sont pas forcément compatibles avec la culture, avec la société. Mais lui, il veut bien admettre que c'est un peu monstrueux, le fait de prendre plaisir à faire mal à des jeunes filles, mais il attend de nous qu'on reconnaisse nos propres monstres en chacun de nous. Alain Robrié revendiquait le droit au fantasme. Ça fait peur aux gens, mais en même temps, il disait que quand on le fantasme et quand on l'écrit, quand on reconnaît ses propres fantasmes et ses propres monstres, c'est la meilleure façon de ne pas les mettre en acte, mais que ça reste, là, c'était en sous forme de littérature. Il attend aussi qu'on reconnaisse cet autre réalisme qu'il propose, et qu'on reconnaisse le mensonge de l'autre. Son côté simplificateur, simpliste, réducteur, rationnel, alors qu'on sait très bien que notre expérience du monde est irrationnelle. On est dans une folie, en fait. Cette folie, finalement, on retrouve dans ces livres. Ces livres sont traversés par cette folie qui nous traverse tous les jours, mais qu'on néglige de reconnaître par convention et par confort intellectuel. Et qu'on reconnaisse que son réalisme à lui est plus fidèle à notre expérience du monde. Qu'on accepte de ne pas tout comprendre, par exemple, aussi. Qu'on accepte l'ambiguïté fondamentale de ses œuvres, comme de la vie, en fait. On cherche du réconfort, plutôt du réconfort dans les œuvres, en général. Un repos, un réconfort, que ça nous rassure. Ce qu'il attend, c'est qu'on accepte aussi de ne pas comprendre, mais comme la poésie, en fait. Pour moi, ces livres, qui sont des romans, pour moi, c'est de la poésie. Et il disait que la grande prose, des grands romans, c'était de la poésie. Et la poésie, on accepte de ne pas tout comprendre, comme dans la vie. Donc il attend qu'on sorte de notre paresse naturelle, comme il disait. Sortir donc de nos habitudes de lecture, nos attentes. Donc sortir de ce qui nous cultive, de ce qui nous entretient dans nos ornières. En Chine, je crois qu'on dit dans notre puits, c'est ça. Et pour se nourrir à une contre-culture, puisque, encore une fois, je dirais, on est dans cet environnement-là, une patte, pas aussi libre qu'on croit en général. Et donc se transformer soi-même, c'est très difficile, selon moi, très difficile de le faire par soi-même. Vous ne pouvez pas vous dire un matin, bon, je vais me transformer, je vais changer, je vais devenir comme ça, je vais devenir comme ci, d'avoir un pouvoir sur soi, c'est très difficile. La meilleure façon, peut-être, c'est de se frotter ou de se nourrir de ces formes autres qui nous transformeront de manière expérimentale, on ne sait pas comment, mais au moins de les goûter, les tester. Pour marcher différemment, le plus simple et le plus efficace, c'est peut-être de changer de chaussure. On ne marche pas de la même façon avec des chaussures différentes. On ne marche pas de même que dans la pièce, si on change l'ambiance, on change son humeur. De même, on change sa démarche quand on change de chaussure. Et là-dessus, je citerai Chen Tong, ici présent, éditeur des œuvres complètes d'Alain Robrié en Chine. Alain Robrié a trouvé le moyen de transformer les chaussures. Je sors la citation de son contexte.
c'est ça? C'est juste? C'est oui. Jean-Philippe Toussaint? Oui, dans l'interview de Jean-Philippe Toussaint. Et pour moi, donc, un art ouvrier, ce sont des chaussures ou c'est une culture qui permet de vivre plus en adéquation avec le réel, tel qu'il est, contre cet autre réalisme qui nous cultive en porte-à-faux. Avec le réel, qui nous cultive porte-à-faux, avec le réel. Voilà, pour moi, c'est une poétique qui nous met dans des chaussures peut-être moins confortables, peut-être, mais plus adéquates à l'intelligence, à la logique du réel. Qui nous permet d'être plus en adéquation avec le réel, en meilleure intelligence avec le réel. Et pour lui, c'est ça le rôle de l'art, c'est de transformer le public, au lieu, encore une fois, de l'entretenir dans ce qu'il connaît déjà, évidemment. Donc de rafraîchir notre rapport au réel, notre rapport à la vie, notre rapport à nous-mêmes. Un dernier mot. Tu dis que c'est la dernière image, je vais utiliser une dernière image. Quand vous ouvrez un livre, en général, un roman, vous imaginez, vous vous attendez à entrer comme dans un bâtiment. Il faut imaginer, quand vous ouvrez un livre d'Alain Robriet, que vous entrez plutôt dans une ruine. Non plus un bâtiment cohérent, signifiant. Alain Robriet, au contraire, c'est des manques, c'est-à-dire des trous, des murs qui manquent, etc. Et vous entrez, en fait, quand vous ouvrez un livre d'Alain Robriet, dans des ruines, et c'est une expérience absolument formidable. J'y reviendrai juste ensuite. C'est une expérience poétique, avant tout, et je pense que quand vous entrez dans les ruines, vous y êtes sensible, dans des ruines, dans des murs. Donc vraiment, essayez de vivre les romans d'Alain Robriet de cette manière-là. Remarquez qu'effectivement, il y a des manques, des trous, que ça vous laisse du coup plus de place physiquement, mentalement aussi. Ça laisse beaucoup de liberté au lecteur, et même qu'une ruine nous laisse beaucoup de liberté de circuler, d'imaginer. Les choses n'ont pas de sens immédiat, n'ont pas de signification immédiate. C'est à vous d'en donner ou pas, de les imaginer, d'imaginer différemment la fois d'après, donc de vivre constamment ces livres comme des ruines, c'est-à-dire qu'ils vous laissent, encore une fois, une liberté dont on n'a pas l'habitude, et qui en général nous effraie plutôt. Je crois qu'il l'a dit d'ailleurs dans le film qu'on a vu tout à l'heure, et il a dit que la liberté fait peur, effectivement. Et quand vous, voilà, je pense que ça peut aider d'ouvrir un livre de Robriet, de se dire ça, l'expérience devient purement poétique. Ne cherchez pas à ce qu'on vous raconte quelque chose, mais exactement comme vous appréciez une ruine, de visiter une ruine, vous êtes tout à fait sensible au charme et à la poésie de la ruine. J'éprouve la même chose dans les livres d'Alain Robriet, qui était obsédé par cette image des ruines. Parce qu'il a connu la guerre, etc. Et lui-même le disait, hein, qu'il fallait considérer ces livres, que ces livres étaient déjà des ruines. Voilà, et c'est comme ça, et ça nous donne, encore une fois, ça déjoue, c'est une forme qu'on peut savourer à ce titre-là. Merci pour nous. Il y a des questions peut-être sur ça. Il y a un problème. C'est quelqu'un qui a tout quitté, qui a quitté son ancien métier d'ingénieur pour écrire des livres, pour entrer dans l'exercice problématique de la littérature, comme il disait. Pour nous transformer, il faut peut-être transformer d'abord nos structures, les structures qui nous conditionnent. Et effectivement, je suis d'accord qu'Alain Robriet a créé de nouvelles chaussures qui donc nous font marcher autrement, à condition de les mettre. Mais ce qu'on pourrait dire, pour aller très vite, parce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions, on pourra en parler après, parce que je connais vraiment bien la Nouvelle Vague. Effectivement, il faisait un cinéma très différent, qu'on a appelé plutôt le nouveau cinéma. Donc il a été très critique vis-à-vis de la Nouvelle Vague, à part Godard, qui gardait pour qui Robriet avait beaucoup d'estime et dont il estimait vraiment le travail. Pourquoi ? Parce que Godard proposait aussi une subversion des formes. Ce qu'on pourrait dire en tout cas, mais je vais quand même répondre quelque chose, ce qu'on pourrait dire c'est que effectivement c'est des groupes Nouvelle Vague, nouveaux romans. Donc la Nouvelle Vague a servi à des réalisateurs très différents comme Truffaut,
Chabrol, Romer, Godard, Rivette, etc., d'entrer dans le monde du cinéma qui était très fermé. Et le nouveau roman aussi a permis donc de mettre en place des écrivains qui n'auraient peut-être pas eu ce poids-là s'ils avaient été isolés et seuls et non pas regroupés, même de manière un peu artificielle. C'est des lectures qu'il a faites pendant la guerre, enfin pendant l'occupation, avec L'étranger de Camus. Dans ce rapport d'étrangeté au monde, cette perte de familiarité, le fait que le monde finalement redevienne énigmatique, un mystère, c'est effectivement très important et ça ressemble beaucoup à la littérature d'Alain Robbe-Grillet. Mais L'étranger de Camus, il le préfère d'un point de vue littéraire. Voilà. Mais dans le rapport au monde, la nausée de Sartre, effectivement, elle était très importante. Est-ce que le monde peut être compris ? Elle est de plus en plus confuse en lisant la littérature et Baudrillard et Foucault. C'est d'abord tout à fait excitant de ne pas tout à fait le comprendre, justement, d'avoir moins confiance en soi, peut-être, de revenir un peu sur la compréhension qu'on se fait habituellement. C'est aussi une émotion intéressante, une émotion, revenir à un rapport plus poétique au monde. Ça peut être tout à fait intéressant aussi, plutôt que de chercher à tout prix à le comprendre. Sa compréhension, la compréhension du monde, passe aussi par une compréhension poétique, d'abord. La compréhension du monde passe peut-être d'abord aussi par une compréhension poétique, c'est-à-dire, c'est-à-dire comprendre sans comprendre. Et comprendre simplement que ça sa poésie, d'abord, sans que ça soit une compréhension rationnelle, forcément rationnelle, etc. Mais Robbe-Grillet nous initie à ça, à une compréhension poétique du monde, qui n'a pas moins de valeur. Et au contraire, elle nous prépare peut-être à une meilleure compréhension ensuite. D'abord, comprendre que le monde nous échappe, d'abord. Et apprécier ça aussi, d'abord. Commencer par là. Alain Robbe-Grillet est scientifique de formation. Et toujours son esprit, sa littérature, d'ailleurs, ça se ressent de manière tout autre. Mais je pense qu'il voulait rafraîchir notre regard, le sien d'abord, pour qu'on arrête de construire sur des mensonges, effectivement. Mensonges auxquels elle croit de moins en moins, elle, qui a posé la question. Effectivement, Alain Robbe-Grillet balaye un peu tout ça, rafraîchit notre regard, vraiment en gardant son esprit scientifique, en disant, bon, qu'est-ce qui tient, enfin, et donc revenir à ce mystère d'observation, d'abord l'observation, de la contemplation, l'observation du mystère du monde. Et à partir de là, ça peut vraiment être un nouveau départ, en fait. Lui propose simplement, il n'a pas de vérité à proposer, il n'a pas de solution, mais il propose un nouveau départ, c'est-à-dire un rafraîchissement de notre rapport au monde, et reconnaître qu'on ne comprend pas grand-chose, effectivement. Mais c'est déjà un très bon début pour commencer à comprendre, au lieu d'entretenir les mensonges qu'on entretient dans la littérature traditionnelle. Il y a un philosophe qui s'appelle Wittgenstein, je ne sais pas si vous connaissez, Wittgenstein, oui, qui a dit une phrase qui rejoint Alain Robbe-Grillet, je pense, et qui a dit il faut revenir peut-être, la solution peut-être, c'est de revenir à l'observation, à la description, et savoir en rester à la description. C'est peut-être effectivement le début de la science, c'est le début de la sagesse, peut-être, d'en rester à la description du monde, plutôt que de plaquer sur le monde nos analyses déjà toutes faites et un petit peu peureuses et réconfortantes. Arrêtons-nous là, avant d'aller plus loin, dans nos commentaires un peu faciles et réducteurs. Revenons à la description. Toute peut-être la clé des choses, sans doute même, se trouve là. C'est moins satisfaisant dans un premier temps, même si c'est magnifiquement beau, mais à mon avis, et comme à son avis peut-être aussi, c'est là que ça se passe. À mon avis, on est mal préparé au réel. Notre culture traditionnelle nous prépare mal à cette complexité, à cette violence du réel. Les sens qu'on donne, qui sont toujours très étroits, très réducteurs, rationnels, alors que le réel ne l'est pas, rationnel, tout ça nous prépare mal, je pense, à ce réel-là. Et à mon avis, c'est une habitude qu'on a effectivement de se rassurer avec le sens, mais on peut en prendre une autre
de s'émerveiller un peu plus, d'avoir un rapport poétique qui ne sera jamais débarrassé complètement du sens, mais de rafraîchir son rapport au monde et d'en revenir à sa poésie première, à mon avis, peut générer de nouveaux sens, un nouveau sens qu'on donnera, mais un sens plus en adéquation avec le réel tel qu'il est. Il va peut-être pouvoir réagir encore. Hein. Bon, il a plus la parole. Mais alors, Aubry ne propose pas de balayer les significations, bien sûr, mais d'autres formes pour questionner nos propres significations, les affiner certainement, donc revenir à un rapport encore une fois plus neuf au monde, pour non pas évacuer nos significations, non pas s'en débarrasser évidemment, mais les raffiner, les rendre plus, peut-être plus intelligentes, toujours plus intelligentes et plus en prise, en adéquation avec le réel. Donc ce n'est pas une perte totale du sens, simplement, il ne veut pas, il se refuse à nous entretenir dans les significations qu'on connaît déjà. Il propose d'autres formes pour que nous-mêmes, on crée ou on invente de nouvelles significations du monde, et toujours nouvelles, et toujours, pour moi, plus intelligentes, etc., plus, encore une fois, plus en adéquation avec le réel. Ne pas tout balayer, mais... Mais effectivement, pour lui, l'art était quelque chose qui devait briser l'ordre établi, l'ordre, je dirais même, culturel, en fait. Il y a une différence entre la culture et l'art. Comme disait Godard, d'ailleurs, la culture, c'est la règle, l'art, c'est l'exception. La culture, c'est la règle, l'art, c'est l'exception. Pour Aubryet, tout était toujours à reconstruire. Même ses propres livres, justement, c'est pour ça, peut-être, qu'ils sont répétitifs. Un livre qui est fait et tombe, tout ce qui est fait tombe déjà en ruine. Pour lui, fixer les choses, c'était le synonyme de bêtise, en fait. La bêtise, le principe de la bêtise, c'était de fixer les choses comme elles ne le sont pas. Et donc pour lui, même ses livres tombaient en ruine une fois écrits, c'était à nous, lecteurs, de les reconstruire, comme lui reconstruisait la littérature, reconstruisait sa propre littérature à chaque fois, parce que pour lui, vraiment, son obsession, c'était que tout tombait en ruine. Tout était toujours à reprendre, à reconstruire. L'homme, notre culture, à chaque fois, c'est ce qu'on peut appeler l'art, effectivement. Ne plus se contenter, ne plus se complaire dans ce qu'on connaît déjà, dans ce qu'on a déjà fait, mais toujours réinventer, même ce qu'on a fait soi-même, même en reprenant des thèmes récurrents, des scènes récurrentes, etc. Mais toujours reconstruire, c'était vraiment un mot qui revenait souvent chez lui, et que tout tombe toujours en ruine. D'où l'image que j'ai prise à la fin, des ruines, effectivement. Quand on ouvre un livre à Aubryet, il faut le prendre comme des ruines qui sont à reconstruire par nous-mêmes. Comme lui-même reconstruisait ses livres les uns après les autres. Jusqu'à la reprise, d'ailleurs, où il reprend toute son œuvre. Donc on retrouve effectivement l'énergie, l'enthousiasme que décrivait Jack Tong ici, l'enthousiasme, l'optimisme, on retrouve ça dans l'œuvre d'Aubryet, puisque sans arrêt, il avait une énergie incroyable, sans arrêt, il reprenait sa propre œuvre avec des éléments limités, effectivement, un nombre limité de matériaux. C'était pas le plus important c'était toujours ce mouvement là de reconstruction inlassable, infatigable, et c'est ce qu'il nous proposait de faire, c'est ce qu'il propose à son lecteur de faire aussi, avoir soi-même aussi nous-mêmes cette énergie de reconstruire des livres qu'on doit considérer comme des ruines, puisque lui-même les considérait comme telles une fois que c'était terminé. À la fin de son œuvre, il a sorti un livre qui s'appelle La Reprise, qui est formidable. C'est La Reprise, ce mince, La Reprise en 2001, et qui commence par cette phrase: ici donc je reprends et je résume. Donc il reprend toute son œuvre romanesque donc depuis des décennies dans un roman avec et il avait déjà quel âge, 80 ans peut-être, ouais, 80 ans. Raconter une histoire proprement, c'est comme un peu comme la perspective. La représentation perspective, tu comprends ça ? C'est-à-dire, c'est à la mesure de l'homme. C'est, comme dirait un historien de l'art, c'est commensurable à l'homme. Oui. Je veux dire plus simplement, c'est à la mesure de l'homme. Il y a certains artistes qui ont l'intuition que, évidemment, le monde est plus grand que nous, plus complexe que nous, et qu'il faut le faire passer, ça, ce souffle, cette folie cosmique du réel qui est plus complexe que nous, plus grand que nous, dans les œuvres. Incarné jusque dans la forme même. Il y a, à mon avis, une famille d'artistes comme ça qui nous font sentir que le monde n'est pas humain,
contrairement à ce que la représentation, à ce que la perspective nous fait croire, un monde à la mesure de l'homme. Il y a quelques artistes comme ça, de toutes les époques, qui ont intuitionné ça et l'ont fait passer dans la forme, qui est déroutante. Le monde Internet, par exemple, ce qu'on appelle par exemple la réalité augmentée, etc. À mon avis, la complexité du monde aujourd'hui, de l'écriture du monde, correspond vraiment à la complexité déroutante de l'écriture du monde aussi par Alain Robbe-Grillet. Ça se passe moins au niveau des mots qu'au niveau de sa forme complexe, et on retrouve cette complexité dans notre monde aujourd'hui multimédia. À mon avis, sa poétique est tout à fait annonce. Non seulement ça parle le monde, mais ça parle aussi l'avenir, je pense. Parce que déjà le présent. Je pense. Merci. De rien, j'ai fait un peu vite, hein. On en reparlera.